Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre grand album. Alors aujourd'hui, je pensais vous faire le... Comment ? Attacher les pages à l'album, mais non, on peut pas tout de suite. Il faut qu'on fait d'abord l'intérieur de la couverture. Donc ça, on va le faire après. On les pose, voilà. Et je me suis aperçue que je suis en panne d'une feuille. Il va falloir que demain j'aille à Cultura chercher une feuille. Il m'en manque une. Voilà. Et voilà, Fifi qui commence déjà à passer. Allez, non. Voilà. Donc là, on va faire l'intérieur. Et en même temps, on va faire notre attache qui va servir à fermer l'album, bien évidemment. Alors, il faut que je m'y retrouve parce que j'ai pas su ranger ma table de travail. Donc, c'est un peu le boxon. Voilà. Ça va aller. On va y arriver. Donc, pour faire la tâche, on va prendre... Donc, je vais d'abord mettre mes pages derrière moi. Comme ça, j'aurai plus de place. Les feuilles dont je n'ai pas besoin... Alors, je vais prendre une comme ça et une comme ça, voilà. Ces deux-là, j'en ai pas besoin. Donc, cela, ce sera pour après. Alors, mon attache, je vais reprendre celle-ci, voilà, comme il m'en reste une. Et j'ai dit du papier noir. Donc je vais prendre dans les chutes, hein, ce sera beaucoup mieux. Vous voyez, il me reste quand même pas mal de chutes. Donc ce qu'il faut, c'est que la tâche soit bien solide. Donc je vais prendre une grande. Non, Fifi, maman elle a déjà fait assez de boxons sur sa table pour pas que tu en fasses. Alors, pour que ce soit bien solide, déjà, je vais regarder si en pliant en deux. Oui, ça ira. Voilà. Alors, pour que ce soit bien rigide, je vais prendre ce papier. Donc, je vais vous donner la mesure. Donc, normalement, là, c'est la mesure d'un A4. Hein. Voilà, ouais, 29,7. Et on va recouper un peu dans la... Donc là, la largeur, vous faites... Pépère, s'il te plaît, ne fais pas du bruit. C'est mon petit vieux qui fait du bruit. Alors là, la largeur, je vous laisse libre choix de faire par rapport à la tâche que vous allez choisir de faire. Alors, soit vous allez mettre ce genre la tâche... Voilà. Soit vous pouvez mettre ce style. Voilà. Soit vous ne faites pas ça, mais dans ce cas-là, vous faites un ruban, une dentelle. Soit vous pouvez faire ça, mais dans ce cas-là, vous mettez du scratch. Moi, j'appelle ça du scratch. Comment on appelle ça? Du velcro, voilà. Vous pouvez mettre du velcro. Libre choix à vous, et suivant les possibilités que vous avez chez vous, de faire la fermeture de votre album. Hein. Donc là, moi, je vais choisir de mettre ça. Voilà. Ça fera un rappel de la dernière page que j'ai fait. Alors, comme j'ai dit, là, moi, ça fait 29,7. Je vais prendre celui-là pour mesurer à peu près. Voilà, donc ça mesure. Ouais, ça fait à peu près 4 cm. Bon, je vais mesurer 4 cm.
Bah là, mon papier en fait 8, donc bah, je vais faire la moitié. Voilà, 4 ici. Là, je vais couper donc la moitié. Voilà. Je devais changer ma lame, je ne l'ai pas fait. Voilà. Donc ça, je mets de côté, ça peut me servir pour autre chose. Donc là, je vais le plier en deux. Oui, dans le temps, j'avais un pliloir. J'ai fait un bord. Oh, il y a un... un bordel, un bordel. Bon, je sais pas où il est. Voilà. Donc, je vais vérifier quand même que ça va être bon. Oui, ça ira. Donc, je vais coller l'intérieur, bien sûr. On va mettre du double face. Donc ça, la pâte, il faut la faire avant de décorer l'intérieur, hein, bien sûr. Comme ça, on ne verra pas. Elle sera cachée en dessous du papier déco. N'hésitez pas à mettre du double face ou de la colle si vous utilisez la colle, hein, mais bon, moi vous savez que j'utilise ça. Et je vais en remettre un au milieu. Voilà. Et toujours pas, mais je sais pas où j'ai mis mon pliloir. Hein. Mince, 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 mince. Ben, le problème, c'est que j'ai fait des cartes. Et j'ai pas rangé. Parce que j'ai encore des cartes à faire. Et. Ah, le voilà. Yes. Coller, alors on fait attention que ce soit bien parallèle. Voilà. Donc vous voyez comme ça. Voilà, c'est mieux. Ici, on va coller ici, voyez, et là on aura notre page déco qui va venir, et comme ça on ne verra pas. Voilà, et on va replier bien sûr, et plier ici, et la fermeture se fera là. Voilà. Donc, pour l'instant. Alors, est-ce que je le laisse noir ou est-ce que je mets du ruban ou est-ce que je mets du papier? Alors, pareil, soit vous laissez noir, soit vous mettez du papier, soit vous mettez du washi, soit vous mettez du ruban.
soit vous mettez de la dentelle, soit ah bon, comme vous voulez. J'ai envie de mettre ça. Je vais vous mettre à l'endroit, vous verrez mieux. C'est pas beau ça, ça va pile poil. Alors, que je réfléchisse. Je ne veux pas faire de bêtises. Parce qu'une fois que c'est collé, bah, c'est foutu. Donc ça, ça va... Je mets en situation pour comprendre. Donc ça, ça va venir ici. J'ai retrouvé mon poinçon. C'est le petit carré que je retrouve plus. C'est une catastrophe. Oh là là là. La reine bordélique, je suis bordélique. Hein, et pourtant, je suis maniaque. Alors, allez comprendre. Commencer à mettre du double face pour coller mon ruban. J'espère que je fais pas de bêtises. Le problème avec moi, c'est que je ne prépare jamais rien. Donc voilà, je fais tout à l'arrache. Voilà. Donc, ensuite. Mon ruban. Je le coupe pas tout de suite. Les perdre hein, parce qu'ils n'en ont pas mis une de plus hein, dans le paquet. Donc voilà, d'abord je mets mes trous
sont assez grands. Voilà, vous verrez un peu mieux. Je la tremblote. On va déjà attacher le premier. Voilà. Ah, j'ai une tremblote aujourd'hui. Ah. Voilà. Le deuxième est passé. Désolé, je suis un petit peu hors champ là, mais c'est juste pour que je puisse donner un... Alors, attendez, je vais essayer de tirer comme ça pour que vous voyez. Voilà, vous voyez. Hop là, et toi devant la caméra, Edith. Voilà. Ah, mon premier fermoir est mis. Donc là, un petit bout de double face dans ce sens là pour bien tenir les brades. Ah, j'ai fait trop court. Bon, ça a l'air. Mais un bout. Voilà. Et maintenant, on va remettre du double face sur la longueur pour le ruban. Voilà, un au milieu pour que ça tienne bien. Il est temps que je termine cet album parce que je suis super en retard sur mes prochaines créations. D'ailleurs, j'ai une carte à faire, enfin une créa à faire pour le concours de la chaîne de créa. Ah, j'ai oublié le nom de ta chaîne, Mélanie. Créamela, je crois. Créamélie, créa. J'ai oublié le nom de ta chaîne. Pardonne-moi. Donc, je vais essayer de la faire demain, puisque je t'ai dit que je l'ai envoyé cette semaine.
Donc voilà. Oui, et comme ça, hop, on ne voit plus les attaches et puis au moins elles tiennent bien. L'attache ne partira pas. Donc là, ça viendra ici. Je plie. Voilà. Et il va falloir que je plie ici. Alors, attendez, je prends quelque chose qui va m'aider. Mes pinces de cartonnage, voyez, voilà, ça c'est super. Excusez-moi, je crois que j'ai fait bouger un peu la caméra. Donc ces pinces-là, je les avais eues chez Babou. Sinon après j'ai des très grosses comme ça. Ceux-là, je ne sais plus où je les avais eus. Mais là, je l'avais payé quoi? 1 euro pour les 6. Donc, ça va. Donc. J'espère, Edith, que tu n'as pas fait de bêtises. Si, Edith, tu as fait une bêtise. Merde. Ouais, j'ai fait une bêtise. Mince, je l'ai mis trop loin. Paf, paf, paf. Oh, et puis je peux plus l'enlever. Bah dans ce cas-là, on coupe. Hein. Je vais devoir couper. Mince. Et j'ai pas fait attention. Bon, ça, il y a ça, je rattraperai plus tard. Il n'y a pas grand chose en plus, il y a quoi, 2 mm. Bon, ça ne fait rien. Donc, je vais déjà coller ça. Donc, on va mettre un peu de double face, enfin un peu. Mettre du double face sur ce côté-là. Donc, faites pas comme moi. Vérifiez d'abord. Mais bon, il y a toujours moyen de... de bricoler. Allez, double face, décolle-toi. Oh, il ne veut pas se décoller. Voilà. Mais par sécurité, je vais lui mettre un petit point de colle. Donc, on vise bien le milieu. Hein. Je vais mettre mes pinces juste
un petit instant pour que ça tienne bien. Voilà. Donc voilà. Donc ensuite, du coup maintenant on va pouvoir décorer ici. Donc là, bon, vous aurez une petite épaisseur, mais bon, rien de grave. Alors, je vais prendre ce côté-là ou ce côté-là. Je prends ce côté-là. On va d'abord mesurer. Donc ma couverture fait 21. Sur 30, voilà. Donc elle fait 21 sur 30. Donc je vais faire 20 sur 29. Voilà, donc ça me fera 5 mm de chaque côté. Donc j'ai dit combien? J'ai dit 29 sur 20. Voilà. D'abord enlever la bande en bas. Voilà. Donc on va enlever juste 1 cm. Donc là, non, on n'enlève pas 1 cm, on enlève 1,5 cm puisque les pages de scrap font 30,5. On dit 30-30, mais elles font 30,5 sur 30,5. Voilà, je vais y arriver. Voilà, la première. Donc là, on n'a plus qu'à lui mettre, comme d'habitude, du double face. Donc là, rien de compliqué. Hein. Donc on en met bien sur les bords pour pas que ça se détache, enfin que ça s'abîme.
Donc, celles qui mettront un ruban, par exemple, pensez à mettre votre ruban un peu plus loin, hein, pas trop près, parce qu'à force, ça risque de se déchirer. Donc, commencez à le coller à peu près au milieu de la page. Je vais déjà enlever celle du milieu. Voilà. Et j'en remets dans l'autre sens, comme ça. Ça ne bougera pas. Il faut c'est que votre album aille dans les années, hein, puisse être manipulé sans être abîmé. Voilà. Donc maintenant on peut tout décoller. Et le dernier. Ah, ça colle. Donc. Ce qu'il faut, c'est le mettre droit ou bien le centrer. Voilà, donc on va faire la même chose de l'autre côté. Ah, ça se décolle. Toujours les mêmes mesures, là il n'y a rien de changé. ×29.
Et voilà, j'ai encore oublié d'éteindre mon téléphone. Et voilà, double face, comme d'habitude. J'ai perdu le bout. Ah, voilà. Et voilà, donc on va coller sur cette page. Voilà. Alors, moi, l'intérieur, je vais refaire des petites pochettes. Donc, j'ai un die pour faire une bordure. Je vais sortir mon die et on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Alors, j'ai pris un petit peu d'avance pour pas vous refaire une longue vidéo comme la dernière. Hein, je suis désolée.
Donc voilà, j'ai fini, j'ai fait sur la page là derrière, je vais vous mettre à l'endroit pour vous, à l'envers pour moi. Donc voilà, j'ai fait la petite pochette, voilà, c'est ça. Donc j'ai fait avec ces dailles là qu'on m'avait offert. Donc j'ai fait qu'une demi pochette, c'est fait exprès, et dans cette pochette, donc que je n'ai collé que sur trois côtés, donc vous là vous faites comme vous voulez, là je vous laisse le libre choix, hein, bah, c'est votre album, hein, voilà. Donc soit vous faites une pochette tout du long, soit vous faites une pochette comme ça, hein, en diagonale, vous voyez. Et moi, avec cabinet de curiosité, j'avais ces petites pochettes là, vous voyez, les pochettes enveloppes. Donc j'en ai mis une grande ici, voilà, ce qui va me permettre de mettre ben, des photos en plus, voilà. Et là j'ai fait une petite photo, une petite pochette avec un petit tag qui était vous voyez derrière la la page 30 que j'ai découpé, donc j'en ai récupéré un. Donc j'ai fait une petite pochette avec, voilà. Et là j'ai mis une petite de pochette, enfin c'est la moyenne, voilà, parce que dans le lot, donc on a la grande comme ceci, on a la moyenne comme cela, et on a la toute petite, vous voyez. Donc comme ça, ça va me permettre de mettre ben, des petites photos, des photos qui ne seront pas dans l'album, ou des choses, des petits souvenirs, n'importe. Moi, comme ça, je pourrais les mettre dans la couverture. Donc, là, j'ai fait pour ce côté-là. Donc, on va refaire la même chose ici. Alors, là, j'ai ma pochette. Donc, il va venir ici sur le bord. Donc là, je ne vous donne pas les mesures parce que, bah, déjà, vous n'aurez peut-être pas le même die que moi. Et vous pouvez, je vous dis, soit faire une grande pochette, ou la moitié, ou ne pas en faire du tout. Hein. Là, vous voyez. Mon fin double face, il est là. Donc, je vais en mettre sur trois côtés. Fifi, t'arrêtes un petit peu. Elle me met un boxon dans mon boxon. Elle est couchée sur mes affaires. Non mais mère, grosse vavache. J'ai une grosse vavache. Allez, alors mon scalpel. Donc là, vous avez carte blanche hein, pour cette partie-là. Si vous avez les mêmes choses que moi, ben, vous faites. Hein. C'est vraiment une calamité à retirer celui-là. Je sais plus où je l'avais eu celui-là. Si c'est à AliExpress ou si c'était à Néjoli, je ne me rappelle plus. On est bien droit. Voilà. Donc voilà, comme ça, là, je vais pouvoir remettre une pochette. Les petites, je m'en servirai dans les décorations à l'intérieur, certainement. Donc, il y en avait trois de chaque dans le sachet.
Donc, vous voyez, hop, on retourne. Et en plus, comme il y a une petite étiquette, vous pouvez, voilà, vous pouvez écrire dessus ce qu'il y a dedans. Voilà. Et donc là, il me faut une... alors, est-ce que j'ai là ou est-ce que j'en... dans mes autres chutes, peut-être. Est-ce que j'en... dans mes chutes... plein de chutes. J'ai plein de chutes, mais j'aurais pas dans celui-là. Bon, là, très bien. Je vais mettre. Mettre celle-ci, voyez, ça va, je te gêne pas, Fifi? Non, tu dors, elle fait dodo. Raccourcir un tout petit peu sur le côté. Là, et raccourcir un petit peu. Sur la hauteur. Je vais arrondir. Les bords en haut. Voilà. Très bien. Et là, pareil, on va mettre du double face sur les trois côtés. Voilà. Donc là, je vais voir après pour décorer la pochette noire. Je pense pas que je vais y mettre du papier. Je vais voir ce que je vais faire. Voilà. Je me base sur l'angle là. Et voilà, et donc là je vais pouvoir mettre une petite pochette, enfin une moyenne, voilà, comme ceci, dans laquelle je pourrais mettre aussi des petites choses. Voilà, donc mes intérieurs de couverture sont à peu près finis.
Donc là, il me restera à faire la fermeture là, mais donc là, on va la faire avec le papier déco qui sera là. Donc voilà. Donc il va nous rester après à mettre nos pages de l'album, bien sûr. Donc ici, il me restera aussi à mettre de la déco. Alors comme j'ai beaucoup, puisqu'on les a pas encore utilisés, hein, vous voyez, j'ai beaucoup les die cuts, voilà. C'est peut-être ça que je vais mettre. Je vais regarder peut-être tout de suite. Je ne sais pas si c'est autocollant ou pas. Je pense pas. Donc, vous voyez. On a ceux-là, ils sont jolis, ceux-là, les cartes. Peut-être une petite carte comme ça. Mais est-ce qu'ils sont autocollants? Je ne pense pas. J'ai pas vu si c'était noté dessus. Non. Je pense pas que ce soit autocollant. Ce serait bien, mais. Ah. Non, c'est pas autocollant. Donc. Je mettrais peut-être bien une petite carte là ou là. Voilà, comme ça. Alors, est-ce que j'en ai d'autres? Celle-là non, voilà les petites bébêtes. Ouais, je vais plutôt mettre cela. Voilà, je vais mettre ces deux là déjà. Donc on va acheter la tacky glue au salon. Donc je ne l'ai pas encore essayé. Alors, par contre le bouchon est mis de travers. Ils sont bons. Alors, ouais, il faut couper le bout. Ça va aller avec celle-là. Ou alors je mets la glossy accent. Je veux pas faire de tâches. Voilà. Ça faisait un moment que je voulais cette colle et je suis contente de l'avoir trouvée sur le salon. Voilà. Après j'ai encore ça, vous voyez. Cela, cela, les timbres, donc j'ai encore beaucoup de choses à mettre
J'ai encore beaucoup de tags, enfin beaucoup, j'ai encore quelques tags. Donc. Je pensais que c'est vraiment que c'était autocollant. Ça m'étonne. On dirait qu'il y a une pellicule. Non. Bon, soit hein. J'ai pas l'impression que la colle elle veut bien prendre. Bon, en tout cas voilà, là je vais laisser sécher. Je vais mettre un petit peu des pois dessus pour que ça sèche bien. Donc voilà, la première partie de notre couverture, décoration de couverture est terminée. Demain vous aurez la suite, donc d'extérieur, puisque là je vous dis, il faut que j'aille chercher une feuille à cultura, désolé, il m'en manque une. Et puis on mettra nos feuilles de nos feuilles d'album dans l'album, et il me reste à faire également le bijou d'album. Voilà, donc on se retrouve demain pour la suite, hein. Donc là maintenant ça y est, on arrive vraiment bien à la fin. Donc je vous remontre ce qu'on a fait aujourd'hui. Voilà. Et demain, donc, on fera l'extérieur de l'album. Et on aura bien bientôt fini. Voilà. J'espère que cette petite partie vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si vous avez des questions, vous me les laissez également en commentaire. Un petit message au passage. Pour mon concours, que le dernier. Sauf erreur de ma part, je n'ai pas eu de nouvelles de ma dernière gagnante. Alors, j'ai mis son nom là. Alors. Donc, Christine Coallier. donc, c'était. Tu avais gagné ça. Sauf erreur de ma part, ou alors je t'ai répondu puis je me rappelle plus, hein, une, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai une mémoire de poisson rouge. Je pense pas avoir eu ton email ou ton message privé pour avoir ton adresse pour te l'envoyer. Donc si tu peux m'envoyer ça très très rapidement pour que je puisse te le mettre au courrier cette semaine, voilà, puisque tu as gagné ça au dernier concours, ce serait sympa. Voilà. Merci. Hein. Alors, donc, je rappelle le nom. Je vous dis que j'ai une mémoire de poisson rouge. Je vais faire ça. Alors, Christine Coallier. Voilà. Donc, si tu peux prendre contact avec moi rapidement, je rappelle mon email, toutes mes coordonnées sont en barre d'infos, hein, pour que je puisse avoir ton adresse. Et les autres gagnantes, vos lots sont partis ce matin seulement. Je suis désolée, mais bon, je vous ai répondu par email. Mon bureau de poste est en travaux, ils sont en train de tout refaire, donc ils ont fermé, et donc j'ai dû aller dans une ville à côté, et donc je n'ai pu y aller que ce matin, donc mais là ça y est, c'est parti. Donc vous devriez recevoir vos enveloppes demain ou après-demain. Donc avec donc là c'est la première, deuxième et troisième gagnante, donc celles qui ont gagné les dice. Donc pareil, venez me dire que vous avez bien reçu les enveloppes, hein, que je sois rassurée, que ce ne soit pas perdu dans les méandres de la poste. Voilà. Et ben, je vais vous faire à toutes pour aujourd'hui de gros bisous. On se retrouve demain pour la suite et la fin de l'album, j'espère. Là, j'espère que ça va coller. Donc, rien, sinon, je vais trouver une solution, hein, comme d'hab. Et puis voilà, donc je vais vite aller demain matin chez Cultura me chercher la feuille qui me manque, et heureusement c'est pas loin,
Moi j'ai Auchan juste à j'ai Auchan à 100 mètres même pas. Donc je traverse le pont de l'autoroute, j'ai Auchan, je traverse à l'intérieur d'Auchan, j'ai Cultura qui est derrière, donc j'ai vraiment pas loin du tout. Donc je vais aller me chercher cette feuille. Promis, je ne prends rien d'autre, de toute façon. Et en même temps, je profite tant qu'il y a encore un petit peu de batterie. Je suis allée à Action acheter mes produits d'entretien, comme je vous avais dit. Hein. Mais bon, je suis quand même passée au rayon de Noël. Et j'ai vu, voilà, il y avait ça. C'est la seule chose que j'ai acheté, hein, à part mes produits d'entretien. C'est des feutres à alcool, donc métalliques. Donc je vais voir ce que ça donne. Je ne les ai pas encore essayés, vous voyez. Ils sont encore emballés. Je vais voir ce que ça donne. Je vais faire un essai. Je ferai peut-être un essai en vidéo. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Parce que j'ai pas. Pour l'instant, j'ai pas vu qu'il y avait beaucoup de bons retours sur ces feutres. Donc c'est des métalliques. Donc il y a le métallique white, le métallique black, métallique mint, le métallique silver, le métallique gold. Et du coup j'en ai un doublon métallique silver, donc vous voyez, du coup on a déjà des doublons. J'ai acheté que 3 paquets, donc ils sont à 99 centimes et j'ai quand même déjà un doublon, mais c'est tout ce qu'il y avait. Donc je sais qu'il y a d'autres couleurs, mais il n'y en avait plus d'autres. Il n'y avait que ces 3 paquets là à mon magasin, et de toute façon j'ai rien pris d'autre. Voilà, c'est juste je les ai pris, c'est pour mes cartes. Donc je ferai un essai, en vidéo, et je vous dirai ce que j'en pense, parce que je vous dis, j'ai pas vu encore de bons retours, donc je sais pas, voilà. J'espère que je les ai pas achetés, puis que c'est de la cacaille, voilà, de toute façon, si vraiment ils sont pas bons, je vais les ramener, voilà. Bon, mais, ras-le-bol que Action vende des trucs qui vont pas, mais bon. Je vais pas crier pour l'instant puisque je ne les ai pas encore essayés. Voilà, allez, je vous laisse enfin pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite de l'album. Hein, donc on va faire l'extérieur de l'album. Et donc il ne nous restera plus que la pose des pages et la finition, la grosse déco. Et on aura terminé, voilà. Alors je vous dis à demain, je vous fais... À tous de très gros bisous. Fifi vous fait des gros bisous. Viens faire un bisou, Fifi. Viens, maman. Viens faire un bisou. Viens. Tu veux pas? Alors, attends. Elle veut pas bouger. Donc, c'est moi qui vais bouger la caméra. Alors. On va essayer. Est-ce que vous la... Alors, attendez. Hop, ça bouge peut-être trop. Voilà. Dis coucou Fifi, dis bonjour, bonjour, bonjour les copines de maman, ça va les copines de maman, Fifi, oh là là, on est mal réveillé, on est mal réveillé, allez, je vous laisse, je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bye bye, bisous bisous.